Jean-Yann, lui, est un camelot assez peu ordinaire. Il s'est installé sur les boulevards et il s'est mis en tête de vendre des bijoux, mais alors des bijoux à un prix franchement exorbitant. Seulement, va-t-il y parvenir? Là est la question. Bonjour mademoiselle, mademoiselle, voulez-vous vous approcher? Si vous aimez les beaux bijoux, venez voir exceptionnellement le comité de la joaillerie française pour les fêtes du Nouvel An. Je vous présente ces articles réclames. Alors nous avons ici un lot, voyez-vous, un bracelet saphir et brillant, valeur 6,4 millions, un bracelet brillant et rubis, valeur 7 millions. Nous avons ici 4 clips d'un million chacun, 1, 2, 3, 4 millions, et le collier de perles en plus. Eh bien tout ça, si vous le voulez, grâce à la vente réclame du comité de la joaillerie française, vous l'emportez pour combien? Pas pour 20 millions, pas pour 19, pas pour 18, pas pour 17, pas pour 16 millions, mais pour 15 millions seulement. C'est une affaire, monsieur, n'est-ce pas? C'est une affaire, monsieur, ça vous intéresse? 15 millions seulement, ça n'est pas cher. Non, mais pas du tout, mademoiselle, mais vous rendez compte ce que c'est, regardez, c'est une bonne qualité, c'est une vente exceptionnelle. Il n'y en aura pas pour tout le monde, il n'y a que deux lots aujourd'hui. 15 millions, monsieur, ça vous intéresse? Vente exceptionnelle du comité de la joaillerie française. Pour mon petit Noël. Et si vous tentez, monsieur, je sais que ça fera plusieurs madames. On ne fait jamais de cadeaux. 6 millions 4. Mais oui, c'est bien pour ça qu'on les vend avec chez nous. Je l'ai acheté quand même. Et vous ne croyez pas quand même que je pourrais ici sur la place représenter le comité de la joaillerie française et vous vendre des bijoux qui seraient des faux bijoux. Je ne sais pas trop si jamais il tombe des vrais diamants par terre. Alors, monsieur, vous vous laissez tenter? Oh oui. 150 millions. Vous ne verrez jamais ça, Paris. C'est la première fois qu'on fait une vente comme celle-ci. Écoutez, si vous le vendez 7 millions, vous le vendez avec une déferle. Mais je ne le vends pas 7 millions. Valeur 7 millions, vous l'emportez pour la moitié. Mais pour 3 millions. Mais une telle perle, ça ne vaut pas 3 millions et demi. Ah, écoutez, monsieur, je vais faire quelque chose pour vous. Tiens, écoutez. Voilà, je vous rajoute un petit bracelet. Hein? Un petit bracelet, valeur 1,2 million. Monsieur, je vous barre, voilà. Je vous barre le chèque. Vous me le barrez, s'il vous plaît, oui, et vous le faites à l'ordre du comité de la joaillerie française, et je vais vous présenter. Vous préparez votre petit paquet.